Ça va? Oh, souriez les gars! Vous êtes filmés! Au paradis! Oh, ça va! Oh, il sert à quoi ce wagon? C'est le wagon du souvenir parce qu'il y a eu un camp de déportation au 1000 pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le bâtiment là-bas, rouge. Où ça? Derrière. Là, derrière. La grosse usine. Ça là? Ouais. Et c'est quand qu'on le voit en plus ton film? Je sais pas, quand on entrera à l'espace. Alors qu'est-ce que vous me racontez? Ouais, mais c'est bon. Mais t'as qu'à demander. Sérieux? Ouais, arrête. Oh, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Moi, je suis allée à Toulouse. Et toi, Estelle? L'équitation. L'équitation, toujours l'équitation, toi? Ouais. Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, je sais pas ce qu'il y a là, il est pas bien. Bon, ben on y va. Hein. Allez, go. Allez. Allez, viens, mon loulou. Jules, tu viens quoi? Alors Jules, tu fais plus? T'as le stress? Moi je fais plus. Moi c'est qui je suis? Steven Spielberg, mon pote. Et ouais, tiens, regarde. Arrête. Allez, fille. Non, Jules. Non, Jules. Ah ouais, je veux pas. Ça va, bon, je suis. J'ai filmé la nature, hein. Oh, c'est tout le monde. Vous entendez le train? On entend rien. Non, hallucination. Rêver, il y a le ruisseau, il y a les oiseaux, mais il n'y a rien d'autre. Je vais faire le meilleur film de notre vie, vous allez voir. Oui, c'est moi. Allez. Voilà, meilleur film. Je crois qu'on va gagner des choix pour un film. Quatre fois. On va pas tonner au monde.
les hommes qui font l'histoire, mais c'est vous qui fabriquez votre avenir, de paix ou de guerre. Quand vous pensez que des enfants de 2 ans étaient là-dedans, et que les enfants, hein, un wagon, des wagons d'enfants, de femmes et d'hommes, et ils sont allés jusqu'à Dachau, Buchenwald, et là-bas on les gazait, et puis après on les brûlait. Alors c'est pour ça que je vous dis, c'est très sérieux. C'est vous qui devez continuer. Pas de racisme, surtout pas. C'est là que vous allez foutre le monde en l'air, complètement. J'espère qu'on n'entendra plus le bruit des trains. Jouer dans notre film, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot? Oui, bien sûr. Alors, le petit mot, c'est ceci. Je sens que je vais être peut-être un peu utile, hein, et ça m'a fait plaisir de participer à tout ça. Ça nous a voilà. Fait plaisir aussi. Mais voilà, hein, j'espère que tout cela ce sera pour utile pour vous plus tard, et puis pour vos descendants aussi. Qu'avez-vous vécu pendant cette Seconde Guerre mondiale, ici au Mille? Eh bien, voilà, j'ai vécu pendant la guerre, la terrible, où j'ai vu des gens parqués comme des animaux dans la vieille usine. Et après, je les ai vus embarquer dans ces wagons-là. 2 ans, 3 ans après que j'ai assisté à ce transport, parce qu'à 7 ans, on a vu passer des gens, mais on ne savait pas où ils allaient. Mais à 13 ou 14 ans, mon père m'a dit où ils allaient, au massacre. Voilà. Et non seulement ça, mais nous avons souffert de la faim, parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Et vous voyez, à 7 ans, pas manger de chocolat, pas de glace, pas de... On était vraiment perdus. Voilà, pour moi c'est tout. Et que pensez-vous de notre tournage par rapport au wagon, tout ça? Mais je vais vous dire, c'est bien utile, hein, parce que vous êtes là, mais d'autres ne sont pas là. Et il faudra les investir aussi dans votre démarche. Hein. Il faudra continuer. Mmh. Voilà.